Mesdames et messieurs, on a l'honneur d'être avec M. Sébastien Redding. Pas le lien de familiarité. Reading. Comme lire en anglais. On sait comme vous voulez. Ouais. De famille avec Francis Reading. On n'est pas loin dans le bataillon des artistes, mais non, lui c'est 2D, moi c'est 1D, effectivement, c'est une grande différence. Il est plus riche en D, lui. Oui, c'est, ouais. Puis sans doute en d'autres choses aussi, d'ailleurs. Écoutez, M. Sébastien Reading a de la renommée pour le doublage et aussi en direction de vocal de en deux doublages. Oui, exactement. Écoutez, comment vous avez, à quel point, où sont passés vos échelons pour pouvoir arriver au poste que vous êtes rendu aujourd'hui? Mais en fait, moi, j'ai commencé à faire du doublage à l'âge de 13 ans, donc ça fait 27 ans, en fait. 13 ans? 13 ans, oui. Comment qu'un jeune peut embarquer dans le monde du doublage? C'est sûr que souvent, les gens ont l'impression que si nos parents ne sont pas dans le milieu, c'est très, très difficile. C'est sûr que c'est une porte d'entrée qui est plus simple. Parce qu'en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est juste qu'on sait quoi faire pour rentrer dans le métier. Quand tes parents sont là, les parents t'amènent en studio, puis quelqu'un va t'essayer en studio. Mais n'importe quel jeune qui a un accent international, disons un français impeccable, en fait, c'est ça qui est important, une bonne lecture à vue et une capacité de jeu, pourrait très bien se manifester dans un studio ou à des directeurs de plateau, dire « j'aimerais beaucoup essayer », puis là, on va le rediriger vers un cours ou des essais, tout simplement. Ça se voit assez vite, un jeune qui a le talent pour faire du doublage. Et après ça, bon, de fil en aiguille, on travaille. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Après ça, on a toujours tous les jeunes font à peu près le même processus, si on veut. Là. De 16, quand on mue, surtout les garçons, là, évidemment, de 16 à 20, on travaille beaucoup, beaucoup moins. Et après ça, c'est là que soit ça passe, soit ça casse. Donc, tu as les enfants qui réussissent à faire la transition à l'âge adulte. Et j'ai eu cette chance-là. Bon, j'ai travaillé quand même, tu sais, faire des cours de diction, des cours de déclamation pour améliorer. Parce que la qualité, c'est bien quand tu commences jeune, mais tu attrapes beaucoup de défauts aussi. Tu as des défauts de jeune qu'il faut que tu gommes quand tu commences à faire des auditions contre des gens qui viennent de sortir des écoles de théâtre et tout ça. Il faut évidemment que tu développes des habiletés. Tu as de l'expérience qu'eux n'ont pas, mais eux ont une formation que tu n'as pas. J'imagine que la rivalité doit être assez dure quand même. Au Québec, c'est vraiment, vraiment cool quand même. Les gens se respectent beaucoup. Tout le monde est bon joueur, on va dire. J'ai entendu, j'ai jamais été en France, mais il paraît qu'en France, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de rivalité. Et c'est pas tout le monde qui s'aime, hein, au Québec, non. C'est normal, c'est des Français. Voilà. Les Français, ils chialent tout le temps, de toute façon. Et donc... On salue nos fans en France. On vous aime, on vous aime. On voulait juste vous le dire, on vous aime. Ah, oh, je vais perdre des abonnés. Ah. C'est pas vrai, on vous aime, on vous aime. Et donc, est-ce que je vous ai poigné la cuisse? On peut se tutoyer. Ok. Ouais, c'est ça. On va. On peut se tutoyer maintenant, Sébastien. Ouais. Et donc, je finirai une simple question. J'élabore longtemps, mais en même temps. Donc, quand tu arrives à 20 ans, j'ai continué. J'ai eu la chance de réussir à percer là-dedans. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup début vingtaine. Jusqu'à mi-vingtaine, c'est vraiment de plus en plus, et arrivé, c'est vraiment un concours de circonstances. J'étais sur un plateau, j'avais le rôle principal, une directrice de plateau qui un peu spéciale, particulière, et à un moment donné, elle a dit « Oh, remplace !» Elle perdait patience avec un jeune qui avait 12 ans, donc moi j'avais 29 ans, puis elle a dit oh, « Remplace-moi, elle dirige à ma place !» Là, elle est partie fumer une cigarette parce que je pense qu'elle était énervée. Puis là, quand elle est venue pour rentrer, la mère du jeune qui était comédienne a fait « Je pense que tu devrais le laisser aller. » Puis ça a vraiment été un peu comme ça. Puis là, elle est revenue en studio, elle a dit oh, « Qu'est-ce que tu fais le reste de la semaine Prends ma place. » Wow! C'est un peu absurde. Belle porte qui s'est ouverte pour vous. Oui, exactement. Alors que, bon, c'est sûr que je commençais à y penser. Donc, ça a commencé à germer dans l'idée, à faire son chemin. Je dis « Ah, peut-être qu'un jour. » Mais sincèrement... Tu m'aurais demandé à 25 ans, hein, vas-tu diriger un jour? Je dis, ah, peut-être vers 40 ans. Donc, à l'âge que j'ai maintenant, je me suis dit, peut-être que je dirigerai. Finalement, maintenant, ça fait quoi, 11 ans que je dirige. Et après ça, ça a fait vraiment boule de neige. J'ai commencé à travailler beaucoup moins comme comédien. Ça, on parle de rivalité. Souvent, il y a ça un peu. Quand on commence à diriger, surtout à l'âge que j'avais, sans doute, là, il y a d'autres qui disent, bon, pourquoi lui dirige? Et donc, moi, je vais moins l'engager. Puis bon, de fil en aiguille. Mais ça s'est quand même bien passé. Je veux dire, s'il y a des gens qui pensent ça, c'est juste dommage. Et après ça, j'ai eu la chance de fil en aiguille.
d'avoir des gros films. Donc, j'ai vraiment été assez privilégié, je te dirais. C'est bon. Et vous avez eu aussi l'honneur de faire la voix de Ash Ketchum dans les films. Les films, ouais. Wow, dans les films. Il faut le préciser parce que c'est pas la même voix comparativement au dessin animé. C'est sûr que même à la limite, je pense que ma voix, les gens ne devaient pas l'aimer tant que ça parce que moi, je me mets à la place du public. Moi, j'étais un peu plus vieux, donc j'ai moins été de la génération Pokémon. J'ai vraiment travaillé dessus. Mais c'est sûr que quand tu entends une série tout le temps avec la même voix, puis d'un coup, tu loues le film, puis c'est la voix d'un autre, ben, ça a dû choquer quelques oreilles. Mais oui, j'ai quand même eu la chance de faire les 7 films, je pense, 7 ou 8 films qu'il y a eu. Un exemple? Je confonds toujours, on dirait, quand j'y pense, je veux toujours faire... Confondais avec quelle voix, là? De Bakugan? La voix de Bakugan, parce que je faisais la voix de Marucho dans Bakugan. Okay. Donc, le dessin animé était beaucoup moins connu, nettement moins bon, je pense, mais... Mais on dirait que à chaque fois, je suis comme rendu à vouloir faire la voix de Bakugan. Mais... On va faire la comparatif avec Bakugan et Ash Ketchum. Je sais pas si on va voir vraiment une différence, mais Ash était un peu plus grave. Donc, vas-y Pikachu, tu sais que je suis le meilleur dresseur de Pokémon au monde. Wow. Allez, vas-y, attaque! Tandis que Marucho était beaucoup plus haut. Était... Tu sais, Dan, il faut vraiment savoir ce qu'il faut faire. Tu sais, c'est quoi qu'il y avait... j'ai pas de phrase, là. Bakugan, au combat! Bakugan, transformation! Tu sais, c'était juste... Le pitch était... Ouais. Ça faisait saigner les oreilles. Bon, et maintenant, vous avez réglé mon problème de sourdité. Sinon, je peux aussi te faire... Tu sais, Potter, il faut savoir choisir les bonnes familles. Cheveux roux, vieille cape, tu es certainement un Weasley. Aïe aïe! Drago Malfoy pour vous servir. Là, je peux te faire ça aussi. Oh, vous me ramenez dans ma nostalgie, c'est épouvantable. Et là, j'ai le caméraman qui a des frissons. Drago Malfoy, c'est fou, c'est un personnage qui marque l'imaginaire, alors que dans les films, il est quasiment inexistant. Au final, j'avais un peu de texte dans le premier, un peu plus dans le troisième, et après ça, je parlais quasiment pas. Mais c'est un rôle... Dès que t'en parles, ça doit être extraordinaire! Mais j'avais une heure de studio. Et au final, je me comme, oui, c'est un beau rôle, mais. Ouais. Non, c'était. Écoutez, j'ai envie de faire quelque chose. Ouais, vas-y. J'ai envie de faire un coup de téléphone avec un doubleur. Moi, je trouve ça très drôle. Et j'ai-tu mon. Oui, j'ai mon cellulaire. En gros, j'aimerais appeler ma sœur. Ah. En gros, ma sœur, 10 minutes. On approche de 8. Bon, regarde, on va... En gros, j'aimerais faire un coup de téléphone avec vous. Vous avez la voix d'Ash Ketchum. J'aimerais qu'on appelle quelqu'un qui s'appelle... Cette personne, c'est ma sœur. Et ce serait possible d'avoir la voix d'Ash Ketchum pour... Dès que je réponds? Oui, dès que vous répondez. Donc, ça serait vraiment drôle. Et elle n'est pas au courant que je suis en train de jaser avec vous. Mais elle ne me reconnaîtra pas. Trompez-vous pas avec la voix de Bakugan. Non, c'est ça. Fait que on va se mettre main libre. Vous allez parler avec Héloïse. D'accord. Bonjour, Héloïse. Tu n'es même pas au courant que je m'en vais. Je m'en vais t'appeler. On se met main libre. Bonjour, Héloïse. Bonjour, Héloïse. On espère qu'elle va répondre. Héloïse, réponds, allez! Oui, allô? Oui, bonjour, Héloïse. C'est Ash Ketchum à l'appareil. Je cherche mes Pokémon, est-ce que tu les as? C'est quoi, Luc? Allez, réponds! Vas-y, Pikachu! Je cherche Pikachu, tu l'as pas? Juste par rapport à la couche, la ligne au nez ou quoi? Bonjour Héloïse, c'est ton frère. Je te présente. Hein? Ouais, t'as vu mon. T'as l'afficheur, oui. Écoute, je viens de te présenter Sébastien Reading. Salut Héloïse. En gros, c'est la voix d'Ash Ketchum dans les films. Ah, ok. On a improvisé. Alors, on espère que ça va t'aider à passer une très belle soirée. OK. Merci. Fait que c'est beau. Bye bye, bonne soirée. OK, bye bye. Dire à maman que je rentre plus tard. OK, bye. On vient de faire sa journée. Est-ce que ce genre d'expérience-là, vous le faites souvent? Ben, moi, en fait, non. En fait, je crois que c'est la première fois.
Parce que j'ai peu de personnages qui ont marqué l'imaginaire comme ça. T'sais, je pense qu'effectivement, si j'avais fait la série Pokémon pour revenir à Pokémon, c'est sûr qu'on me l'aurait demandé régulièrement. Mais il y en a d'autres, il y a des rôles qui marquent. Hein, donc, moi, j'ai dirigé les Twilight, admettons, puis Nicolas Savard-L'Herbier, un des satiriques. Je ne sais pas si tu vois les humoristes, les satiriques. Mm-hmm. Donc, c'est lui qui avait le rôle principal, qui faisait... Robert Pattinson. Oui. Et lui, il se fait souvent demander, ne serait-ce que par Facebook, il dit, tu peux pas t'imaginer le nombre de fois que j'appelle des filles pour des anniversaires, puis que ça crie, là, ouah! Les gens sont... C'est le gars dans Twilight! Ah oui, puis il parle avec sa voix chaude et chaleureuse. Je sais pas pourquoi, on dirait que Xavier Dolan, on lui demande pas d'appeler lui qui faisait Jacob, mais je m'imagine que les gens, quand... Jacob, Xavier, peut-être que le clash, ça marche peut-être moins. Je sais pas. On dirait que le physique est pas le même. Ça change, mais pourtant, quel talent. Aïe, quel aïe. Talent. Monsieur Reading, merci beaucoup pour votre temps. Merci de vous être prêté à la folie de Luduc. Écoutez, je vous laisse le mot de la fin pour nos fans. Écoutez, on fera une autre voix. Ah, Draco Malfoy. Draco Malfoy pour la finale de ce reportage. Je voulais dire merci à Luduc. On verra ce que l'avenir lui réserve. Même je garde ma baguette à portée de main. Je garde ma baguette à portée de main. Il me semble que c'est double sens. Hein. C'est bizarre un peu. Ça y est, on vient de faire plus que... On vient de faire un fanfiction. On vient de faire un fanfiction. 18 ans maintenant, l'entrevue. Merci beaucoup, Monsieur Reading, pour votre temps. Un gros high five. Yes! Coupé!